violents incidents dans les camps de Tindouf en Algérie. Dans la nuit de vendredi à samedi, des jeunes habitants des camps ont attaqué le siège de la gendarmerie du Polisario au camp dit de Dakhla, situé à 170 km au sud-est de Rabouni. Ils ont mis le feu à 3 véhicules de la gendarmerie, dont 2 totalement calcinés et aux équipements du 10 siège. Les éléments de la gendarmerie ont ensuite tiré des coups de sommation avant que les protestataires ne prennent la fuite. Cet incident s'est déclenché suite à une intervention musclée de la gendarmerie la veille contre la famille de feu Salem Weld Ahmed Lamier, frère de l'opposant au Polisario Al-Hajj Ahmed Barikella.